si vous appliquez les informations qui vont vous être transmises dans cette vidéo, passez des appels téléphoniques pour prendre un rendez-vous ou faire votre suivi ou créer de nouveaux contacts, eh bien, ne vous impressionnera plus. Vous serez libre et vous pourrez faire grandir votre business à la vitesse à laquelle vous le souhaitez pour que vous puissiez vivre pleinement votre activité. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamry, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau. Alors tout d'abord, si vous voulez aller beaucoup plus loin et vous former, vous professionnaliser, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et puis, vous serez informé de toutes les nouvelles vidéos. Alors, on est d'accord que si aujourd'hui, on ne maîtrise pas, je dirais, cette capacité à oser passer des appels téléphoniques ou assumer notre rôle pour faire notre suivi et puis aller construire un réservoir de contacts nouveaux en permanence pour pouvoir être proactif, évidemment que c'est très difficile d'avoir un business productif, un business qui permet de réellement profiter de la vie et de ce style de vie que le marketing de réseau peut offrir. Mais si aujourd'hui vous êtes déterminé et décidé à en finir avec toutes ces difficultés de la vie que vous pouvez vivre peut-être aujourd'hui et de vous dire maintenant il est grand temps que je vive pleinement, je dirais, cette occasion rêvée que j'ai devant moi avec le marketing de réseau, à me libérer, à utiliser mon plein potentiel, à pouvoir justement faire ce que j'ai à faire, c'est-à-dire créer des contacts, inviter, présenter et faire ça avec le suivi sans se poser la moindre des questions qui aujourd'hui peut-être vous bloquent. Alors j'ai une question à vous poser qui est essentielle. Si aujourd'hui, là, je vous garantis, c'est là maintenant, que les 100 prochaines personnes que vous allez contacter, eh bien, elles seront présentes à vos rendez-vous et elles seront curieuses et elles seront dans un état d'esprit avec une envie incroyable d'en savoir plus sur votre business. Est-ce que maintenant que vous savez ça, vous les appelleriez tous là pour leur prendre rendez-vous si vous le saviez, que vous étiez garanti qu'ils seront présents? Oui, hein, on est bien d'accord que oui. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait vous n'avez pas peur des gens. Vous n'avez peur que d'une chose. Vous avez peur de l'opinion des gens. Vous avez peur de ce qu'ils pensent par rapport à vous, par rapport à ce qu'effectivement vous allez leur partager. Et cette opinion-là, c'est-à-dire ce que vous imaginez que les prospects que vous contactez vont penser de vous, eh bien, vous empêche de vivre la vie de vos rêves. Alors, j'ai une autre question à vous poser qui est plus qu'importante à mes yeux. C'est, est-ce que vous préférez être apprécié ou respecté? Alors, je vais être très honnête avec vous. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez plaire à tout le monde et chercher à plaire à tout le monde. Vous ne plairez jamais à tout le monde. Vous savez, je vais être très honnête avec vous. Il n'y a pas des milliers de choix. Soit vous êtes froid, soit vous êtes chaud. Mais si vous êtes tiède, vous ne serez pas à la bonne place. Donc, vaut mieux être froid ou chaud, mais pas tiède. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Je vous propose une idée dans cette capsule vidéo. Toute simple. Vous devez apprendre tout de suite à comprendre que, évidemment, que l'opinion des autres, ce fameux rejet qui vous empêche d'avancer, c'est lié à cette fameuse peur, c'est la grande peur qui est de ne pas être aimé. Vous devez absolument vous détacher de cette idée que vous devez être aimé de tout le monde. C'est une croyance de croire qu'on doit être aimé par tout le monde pour réussir. Vous n'en avez pas besoin. Et je vais être encore plus honnête avec vous. Vous devez apprendre d'ores et déjà à vous détacher émotionnellement des opinions des autres. Vous devez vous concentrer plutôt sur ce que vous pouvez apporter aux autres en termes d'intention que vous avez derrière et vous concentrer plus particulièrement à l'idée de pouvoir donner le meilleur de vous-même pour vous, vos proches, respecter vos valeurs, respecter ce qui est important pour vous, vous donner les moyens de briller, de rester un exemple pour les autres, que de plonger dans le trou avec tous ceux qui vont vous tirer vers le bas et qui vont plutôt peut-être vous critiquer. Et puis, je vais vous avouer une chose, la plupart des gens que vous contactez, ils ont tellement de problématiques et tellement de choses eux aussi à gérer que s'ils pensent à vous, ils vont y penser peut-être même pas 30 secondes, le temps de l'appel, le temps de la réflexion et c'est fini parce qu'il y a tellement de choses dans leur vie de difficiles à gérer qu'ils ont autre chose à penser qu'à vous. J'ai envie de vous dire. Alors, vous savez quoi? Concentrez-vous sur vous, donnez le meilleur de vous et vous allez voir que vous allez offrir. Mais alors une chance inouïe à vous, vos proches et à tous vos collaborateurs, vos partenaires d'équipe, eh bien d'avoir une belle vie, un beau succès parce que vous serez un exemple pour eux. Mes amis, si vous avez aimé cette capsule vidéo, partagez-la dans vos équipes. Vous allez les aider, les propulser à effectivement réussir. Si vous voulez aller plus loin, vous savez que vous pouvez télécharger ci-dessous les 33 erreurs qui causent votre perte en marketing de réseau. C'est un très bon accélérateur si vous débutez. Et aussi pour former vos équipes, ça va vous aider à accélérer vous aussi et à leur faire éviter des pièges. Et puis, ben, comme je dis souvent, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous et surtout, agissez mes amis pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt.